Bienvenue à la ville et la cathédrale d'Amiens. Comme vous voyez, la pluie, elle est à fond. On est parti une journée en fait pour visiter Amiens. Franchement, c'est une très très belle ville. J'étais même surpris de la voir. J'ai commencé par la cathédrale, qui est très connue d'ailleurs. J'aime trop en fait l'aspect, vous voyez, l'auteur, les murs, les fenêtres. C'est vraiment magnifique. C'est sincèrement très très beau à voir, très joli. Ça rappelle un petit peu l'ancienne en fait, l'Othmanienne et tout ça. Et bon, c'est très important et très intéressant et c'est très beau aussi à voir. Je vous conseille vraiment vivement à le voir. Voilà, je fais un petit tour un petit peu partout. Je suis pas contre la cathédrale, si on va dire, si le Kanissa, l'Arbia. En français, c'est l'église. Mais bon, moi, le but, c'est vraiment visiter. Comme vous voyez, c'est tellement beau et magnifique. Et voilà, c'est juste pour le voir. Les bougies sont partout. Qu'est-ce que c'est bien, en fait, ici, c'est à volonté. Voilà, celle qui veut faire allumer une bougie, bah, il met l'argent. Tout simplement, bah, voilà, 1 euro, je pense. Oui, c'est ça, 1 euro. Vous allumez tout ça. Mais bon, moi, alhamdoulilah, adin islam ala kulli hal. Et du coup, bah, j'ai pas fait. Ici, c'est à l'intérieur, je sais pas c'est quoi, mais bon, moi j'aime bien juste l'aspect qui est magnifique. Designer d'ailleurs, designer à l'ancienne, il n'y a pas mieux. Et voilà, du coup, je vous laisse continuer la visite. Ici, c'est bien parce que c'est en dedans. Ça qui est bien en fait chez le goût de manière générale, on va dire celle-là. Si vous voulez faire un don, en fait, c'est discret. S'il y a une borne, il y a quelque chose, vous mettez et hop, il n'y a personne qui sait. Magnifique, vraiment magnifique. L'auteur, les petits schémas, les petits dessins, là, ça donne envie, mais gravement envie de le voir. Les couleurs surtout et tout ça. De toute façon, c'est juste comme chez nous. Voilà, c'est fini la visite, c'est parti. Là, elle m'a attiré l'attention, la petite table là avec les petites oursons, doudous, bref. Même si mes enfants qu'ils ont vu, maman, regarde là. C'était vraiment magnifique. Du coup, j'ai dit, bah, allez, une photo, c'est obligé quoi. Après, bah, on est parti, bah, le petit déj, on va dire celle-là, parce que sincèrement, on n'a pas mangé le matin. Là, c'était déjà 10 heures, je pense. On est rentré et en plus on était trompé, mais vraiment trompé parce qu'on n'a pas bien choisi le bon moment, on va dire ça. Du coup, le café, c'est un gros café qui est beau aussi, surtout grand. Bah, vas-y, tu donnes à ta sœur. C'est bien. C'était le petit partage entre mes filles. Bah, l'autre a pris une crêpe, l'autre fille elle a pris un gaufre. Mon fils qui voulait pratiquement rien, il était un petit peu fatigué quand même, parce qu'on s'est réveillé un petit peu tôt, un peu quand même. Mais bon, si je vous montre un petit peu le café, café restaurant, il fait les deux. Alors on fera ça, c'est ça, la tyrolienne. Ah. Elle est là, la tyrolienne. Attends, ça. C'est ça. Je sais pas, si elle peut ça. Et ça, voilà, à tout à l'heure. Attends, c'est moi, j'ai dit à tout à l'heure. Bonjour, salut, c'est Monem. On a regardé le petit programme dans la ville d'Amiens, qui la plupart c'est gratuit. Et c'est parti pour la première visite, bah, chez le Père Noël, on va dire ça, la petite maison de Père Noël. Et là, c'est parti, on avance doucement et sûrement. En fait, le décor est vraiment sublime. À bientôt, ma grande. À bientôt. Au revoir. Waouh, le lutin avec. Oui. Prends-lui faire une photo, quoi. Allez-y, c'est bien. Ah, c'est chouette. Oh là 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 là, regarde-moi les enfants. Oh, c'est chouette. Et le lutin, il veut pas avec lui un petit peu? Si c'est possible.
Vous restez, Père Noël? Vous restez? Oui. Oh là là. Au revoir. On attend les cadeaux, Père Noël, hein, s'il vous plaît. Oui. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, c'est parti, le petit jeu, le petit parc, le petit parcours, on va dire ça, que mes enfants ont profité. Et ils se donnent à fond, hein. Ils ne ratent pas une miette. Et c'est parti pour la visite. Voilà le jeu, je ne sais pas comment ça s'appelle, la boule en tout cas, dont la piscine. C'était génial. Bah, ça coûte 5 euros par enfant. Un conseil que je vous donne, franchement, laissez chaque enfant tout seul, à part. C'était compliqué de faire à deux, parce qu'il y en a un qui fait plus vite que l'autre, il y a un qui est plus fatigué que l'autre, bref, chacun son rythme. Bah, du coup, un conseil, faites chaque enfant tout seul. C'est beaucoup mieux. Vous allez voir, de toute façon, j'ai vu une fille là qui est toute seule. Bah voilà, elle fonce à fond. Parce qu'il n'y a que elle qu'elle prend son poids, son rythme, son énergie, toute seule. Mes filles, c'était galéré un petit peu parce qu'il y en a un qui avance, l'autre qui retarde et tout ça. Mais ils ont passé un bon moment. Ça, c'est, je veux dire la vérité, ils ont passé un très très bon moment, un excellent moment d'ailleurs. Mon fils, il voulait au début, mais après, il m'a dit, maman, non, ça fait trop tourner. Et tant mieux, comme ça, au moins, ça évite autre chose. Voilà la fille. Toutes celles, mes filles ont repris un petit peu de courage parce que, sincèrement, c'est fatigant. Je les fais toutes seules aussi. C'était fatigant, vraiment, mais c'était agréable. Et un autre jeu, ça c'est gratuit. C'est un petit parcours en fait. Et là, la tyrolienne. Voilà, c'est pareil. La plupart des jeux, c'était gratuit, sauf les jeux de consommation, les jeux d'eau, bien sûr. Hein, jeux d'eau. Après, il y avait les manèges aussi. Là, je visite toujours la ville. Que c'est agréable à voir. On finit toujours par les manèges, bien sûr. C'est moi, personnellement, la première. Je suis un enfant avant tout. Et enfin, on a fini aussi avec la gare de Amiens. Franchement, j'étais surpris de la voir. Je n'ai pas pensé qu'elle est aussi grande. Et aussi belle surtout. Il y a deux étages. Ça, c'est en haut. Je vous montre un petit peu tout, en fait. L'espace qu'il y a. Qu'est-ce que c'est bien aussi, vous allez voir après. Il y a des petits jeux. C'est des petits ordi, en fait, pour jeux d'enfants. Et mes enfants, dès qu'ils ont vu celle-là, ils ont dit, maman, ça, c'est pour nous. En plus, il y en a trois. Grand, moyen et petit. Vous allez voir, normalement. Voilà. C'est ça. Grand, moyen, petit, c'était génial. Bah, 3 pour 3. Il y avait un piano aussi. Comme ça, libre en fait. Chacun il peut jouer autant qu'il veut. Et là, c'est parti pour la visite de la gare. Et sincèrement, j'ai l'impression que je suis en Algérie. Parce qu'en regardant par la fenêtre, j'avais l'impression si c'est vraiment l'Algérie, quoi. Ça ressemble tellement fort que j'ai apprécié d'être là. Voilà le couloir, il est tellement grand et long. Voilà la fenêtre que j'ai dit, en fait, c'est... Et là, en sortant, c'est pareil, j'ai l'impression, on est Serge Ouada, Babloued, la gare Felbled. Autre chose, il y avait un bus qui est passé. Il faut savoir que le bus, le samedi à Amiens, c'est gratuit. Comme ça, vous le savez, le bus, le samedi à Amiens, c'est gratuit. Là, je reprends le retour parce que il faut que je voie mes enfants surtout. Parce que j'ai laissé. Et je cours comme tout le monde. Voilà, j'ai repris mes enfants. Ça, c'est la gare en haut. Allez, un petit essai. Nul. Archi nul. Voilà, le tour de piano c'est fini. C'était archi nul comme d'habitude. Là, j'ai descendu en bas parce que juste pour vous montrer le bas aussi.
En haut, c'est plus beau. En réalité, c'est plus beau en haut, mais bon, en bas, ça passe encore. Et là, c'est parti pour la ville, la suite de la ville. Là, c'est la place où il y a la grande mairie de Amiens. Elle est vraiment magnifique, hein. Architecture sublime. Leur sapin de Noël, bref. On a fait des photos, comme d'habitude. franchement, elle est bien animée, hein, la ville. Elle est grande, d'ailleurs. Son grand place et tout ça, c'est vraiment plus grand que l'île, moi, je trouve. Et même plus belle. Mes filles, photos, selfie, c'est obligé, quoi. Voilà, la mairie. C'est vraiment grande. Je voulais montrer vraiment par détail tout ce qu'il y a. La mariée. On avait la chance de voir la mariée. Et là, c'est le grand marché de Noël qu'on a visité aussi. En tout cas, franchement, c'est une très très belle ville. J'ai bien apprécié et j'étais contente. Deuxième tour, retour la Tyrolienne. Ma fille, elle voulait absolument le refaire encore. Et voilà la fin. Bah, on finit par la cathédrale d'Amiens. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît, la petite visite. La sortie en famille surtout. Et à très bientôt pour de nouvelles visites et de nouvelles découvertes. Salam!